Salut à tous, Dominique, je reste sur le plan de ce Paris-Saint-Tropez par l'Antoine Comboiré, le défenseur central du coup d'épée beaucoup au Barça, avec Eric Garcia, le match en Ligue 1 du samedi de 21h ou 20h. Face à 13h à partir de la 16e journée, le 8e de finale allait entre l'Atlético et Chelsea se jouera à Bucarest. La Juventus a fait match nul en demi-finale retour face à l'Inter. 0 à 0, mais ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. La rencontre de la Ligue Europa entre la Real Sociedad et Manchester United est délocalisée à Turin. Benfica Arsenal se jouera à Rome. William Saliba a diffusé, suite à une vidéo diffusée par William Saliba sur les réseaux sociaux quand il y a plusieurs années en équipe de France cette fois, une enquête a été ouverte. Car la vidéo montrait lui en train de se branler dans les vestiaires. En Coupe de France, Valenciennes a éliminé Reims 4-3. Lorient a éliminé le Paris FC 2-1. L'Olympique Lyonnais a éliminé l'AC Ajaccio 5-1, les buteurs sont Cherki, Slimani de Paille, Awar et Cornet. À l'issue de la rencontre, Rudi Garcia a déclaré: on a évité les pièges en commençant comme on voulait le faire. Il y a beaucoup de satisfaction, le jeu combiné. Le jeu collectif et combinaison entre nos attaquants. Nous avons joué à 100% de nos capacités dans la qualité du jeu. Nous avons gardé de la fluidité des matchs précédents. Nous ne sommes pas beaucoup préparés, mais un peu avant le match, nous en avons parlé pour définir comment nous organiser. Les joueurs l'ont très bien interprété, étant donné que nous jouons dans un schéma auquel nous n'étions pas habitués. Nous avons réalisé une bonne performance et nous avons fait du bon travail. Notre attitude était exemplaire, notre préparation. Sans préparation du tout, nous avons très bien suivi le plan de jeu, et cela en dit long sur notre équipe. Il a déclaré aussi: je ne sais pas si nous allons l'utiliser à nouveau, car nous devons nous adapter à n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous avons bien fait et je suis heureux pour les joueurs, car ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'a pas été facile. Le leader du championnat portugais, Porto, a arraché la victoire face à Vicente 2-1. Le Real Madrid a gagné 2-0. Face à Getafe, un match en retard de la deuxième journée.
L'ancien coéquipier de Zidane a déclaré à propos de Zidane, son ancien coéquipier Ruben a déclaré en 5 ans, il a remporté 3 fois la Ligue des Champions et 2 titres de champion d'Angleterre. Au final, il a accumulé beaucoup de crédits. Pour longtemps, il devrait pouvoir se permettre de passer 3 ans sans rien gagner. Zidane, il a déclaré à propos du titre, mais je ne pense pas que nos supporters s'imaginent qu'on a fait une croix dessus. Au contraire, ils pensent toujours qu'on peut gagner le championnat. Nous allons donc continuer à nous concentrer sur cet objectif et à nous battre pour cela, car il reste énormément de matchs, surtout pour l'Atlético qui compte 5 points d'avance et 2 matchs en retard. Quant à Benzema, il a déclaré: nous sommes professionnels et nous devons nous adapter à toutes les situations. Le coach a mis en place un système et nous faisons tout notre possible pour être bons. Nous sommes professionnels et nous avons confiance. Tout le reste, c'est du bruit au Real et ça a toujours été comme ça, car c'est le meilleur club du monde. Quant à Manchester United, ils se sont imposés 1-0 après prolongation en Coupe de la Ligue anglaise grâce à un but de McTominay. Benfica-Arsenal en Ligue Europa se jouera à Rome. Luis Suarez aura le droit à une prime. Le Barça a débloqué une prime d'1 million d'euros pour Luis Suarez, car il a dépassé les 4 buts en championnat. Il pourra prétendre à 1 million supplémentaire s'il franchit les 20 réalisations dans les semaines à venir. Des négociations ont débuté entre Sampaoli et le directeur du foot, Pablo Longoria. Quant à Angel Di Maria, il sera forfait pour les 8e de finale de la Ligue des Champions face à Barça. Et la Ligue professionnelle de foot a demandé une réunion d'urgence pour un plan de soutien d'urgence au gouvernement. Du côté de City, il s'apprête à décrocher un jeune ailier de Fluminense, Kaki, pour 10 millions d'euros, avec des bonus qui pourraient faire grimper à 17 millions, mais il ne rejoindra pas la City car il doit obtenir un permis de travail au préalable. Quant à Ronald Koeman, il a déclaré à propos de Umtiti: il se sent bien, il se trouve avec l'équipe, nous gardons toujours un œil sur sa condition physique pour le faire rentrer ou le préserver. Il a déjà montré sa qualité de défenseur central.
De son côté, le directeur sportif de l'AS Milan, Paolo Maldini, a déclaré à propos de Théo Hernandez: Théo est un excellent pour Milan, il avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real, mais il était en train de se perdre un peu. Quand on a parlé tous les deux, je n'ai pas écouté ce qu'on avait dit de lui. J'ai trouvé un garçon sensible qui avait soif de revanche. Je lui ai dit qu'il devait travailler. J'ai cru en lui, le club a cru en lui. Sa réponse sur le terrain a été exceptionnelle. Je pense qu'il doit être programmé pour jouer en équipe de France. Comme titulaire, il doit être l'un des trois meilleurs défenseurs du monde. Du côté du Super Bowl, on a eu 96,4 millions de téléspectateurs devant la victoire des Tampa Bay. C'est la plus basse audience depuis 2007. Du côté du tennis, Fonini a battu Pierre Garber 3-7 à 0, 6-4, 6-2, 6-3. Coric a battu Poirier en 3-7, 3-6, 6-7, 5-7. Rublev va battu Anne en 3-7, 6-3, 6-3, 6-3. David Goffin a battu Popirine en 5-7, 6-3. 4, 6, 7, 6, 6, 7, 3, 6. Popizine a été battu par Medvedev en 3, 7, 6, 2, 6, 2, 6, 4. Nadal a battu Djere en 3, 7, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 1. 6-3, 6-4, 6-1. Tsitsipas a battu Gilles Simon, 6-0, 6-1, 6-2. Kenin a battu Ungis en 2-7, 7-5, 6-4. Azarenka s'est fait sortir par Pegula en 2-7, 7-5, 6-4. Brady a battu Zanadinov en 2-7, 6-5, 6-3. Mladenovic a battu Sakkari en 2-7, 1-6, 2. 0-6, 6-3. Coraline Paquet a été battue par l'Égyptienne Sheriff en 2-7, 5-7, 5-7. Stephens a battu Poutine en 3-7, 6-4. 4-6, 4-6, 6-2, 6-3. Aliyeva a été battue par Samantha Stosur en 2-7, 6-4, 6-4. La Française Burel a été battue par Van Unebaum en 3-7, 4-6, 6-3, 6-4.
Sisket Paulini a été battu par Pikova en 2-7, 0-6, 2-6. Achebarty a battu Denka Kovinic 6-0, 6-0. Corentin Moutet a été battu par Milos Raonic en 4-7, 7-6, 1-6, 1-6, 4-6. Canadien Félix Auger Aliassime a battu deux courses en 3-7, 6-4, 6-1, 6-2. Zverev a battu Virol 6-7, 7-0. 6-6, 7-8, 6-7, c'est ça. Djokovic a battu Tafo en 4-7, 6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-3. Dominic Thiem s'est qualifié face à Kupfer en 3-7. 6-4, 4-6, 6-0, 6-2. Shapovalov a battu Tomic en 6, en 3-7, 6-1, 6-3, 6-3. Manarino a battu Karmanovic en 3-7, 6-1, 6-2, 6-4. Kyrgios a battu Hugo Humbert 3-7 à 2, 5-7, 6-4, 3-6. 6-7, 4-6, Zverev a battu Krejci en 3-7, 5-7, 4-6, 3-6. Dimitrov a battu Bolt en 3-7, 7-6, 6-1, 6-2. Cornet a battu l'Australienne. Ni en deux, l'autre année, ni a battu Cornet 6-2, 6-7-6. Serena Williams a battu Stojanovic en 2-7, 6-3, 6-0. Ferro a battu Rybakina en 2-7, 6-4, 6-4. Muguruza a battu la Russe Samsonova en 2-7, 6-3, 6-1. Venus Williams a été battu par Sarah Errani 6-1, 6-0. Gorgui a été battu par la Polonais Vitek en 2-7, 6-2, 6-4. Alep a battu Tominanovic en 3-7, 6-4. 6-4. 7-6. Enfin, la japonaise Naomi Osaka a battu Alizé Cornet en 2-7, 6-2, 6-3. Enfin, Andy Murray a repris la compétition au Challenger
depuis là en Italie, c'est imposé en 3-7. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.